Oups, désolé, j'ai appuyé sur une touche là quand je me suis fait avoir et ça avait arrêté la capture. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis encore là, je suis vivant, tout va bien. Non, en fait, je me demandais juste en fait si c'était lui qui m'avait changé mon pantalon là. Parce que du coup, c'est bien. Mais. Ou alors, je me demandais si j'avais pas plutôt appuyé sur une touche ou quoi que ce soit. Enfin bon, je sais pas, ce n'est pas grave, on va continuer par là. Je pense que les escargots ne doivent plus servir. Ça doit pas être la même chose que dans le 2. Dans le 2, on devait les mettre dans un espèce de but comme dans un. Comme pour le golf. Et comme ça nous changeait la couleur de notre pantalon. Mais du coup là il est d'une couleur un peu bleutée, donc j'aime bien. Ah d'accord, ça se finit comme ça les niveaux. Ok, bon on va. Vous savez quoi? Ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on est ensemble. Donc on va tenter de foncer. Alors Nobleman of Pounds, this is disaster. Those disorderly pirates have commanded the pride of the je sais pas quoi. The pinnacle. Oh là là, j'en ai marre de lire. Je vais lire dans ma tête, je crois. Je lirai plus vite. Oui, I have so many places today. Ouais, je sais pas quoi. Ok, c'est bon, t'as fini de parler. Allez, c'est parti. Moi, je veux de l'action. Non, t'as pas fini de parler. White trolling de Royal Forest. Bon, allez, alors. Tu parles trop. Wouhou! Putain, mais dis donc, si le jeu ne fait que commencer, là. Ouh, je sais pas combien de temps on va mettre, là. With the pirate and hippie free zone, absolutely no pirate or hippie allowed beyond this point. Si tu veux. Allez, c'est reparti. Oui, il y a des osios. Tiens, je te shoot. Oupla. Bon, oui, après, voilà, le jeu, il est sûrement trop long peut-être pour que je le fasse en entier. On va voir, je vais continuer et puis ben on avisera hein. Moi je vais tenter de foncer. Après s'il y a des trucs annexes, je vais peut-être pas forcément les faire, même si ce serait peut-être le plus intéressant finalement, parce que les trucs annexes c'est là où le jeu se diversifie. Waouh. Attendez, mais il pouvait pas aller dans l'eau Mais non, il pouvait pas. Oh la nouveauté. Et ça a l'air bien en plus. Bon, en général, les jeux dans l'eau, c'est souvent ce qui... c'est pas généralement très très bon. Hein. Mais là, j'ai un petit peu de mal encore à comprendre. Quand on va à droite, il va à droite, ok. Alors oui, voilà, quand on est tourné vers la gauche, par exemple, là. Et bah, si on veut aller à droite, il va pas se retourner à 90 degrés. Il va mettre la tête en bas, comme ça. Ah non, ah si. Ouais, non. Ah d'accord, il fait le dos crawlé. Ah, c'est énorme. Ah, ça c'est beau, alors ça c'est magnifique, je dis rien, c'est super, voilà. Non, non, franchement, ça c'est classe. Ça c'est un ennemi, ça, non? Ah oui, c'est un pirate, bah oui. Donc là, je suppose qu'il faut simplement que je les évite, vu que je n'ai rien pour les taper, quoi. À part si j'aurais une coquille de... Ouf. D'escargot. Et là, voilà, d'accord, je peux monter comme ça. Ok, des animations. Ah, c'est cool. Classe, j'aime bien. Et moi j'étais resté accroché. Ah, c'est vraiment classe. Allez, on va rebondir sur ce trampoline. Oh putain, waouh! Et ça m'a libéré le passage. Who are you and why are you interfering with my serious piratery business, my beautiful plan? And they were je sais pas quoi. Well, at least I got the crew to take a bath. Tu veux prendre une douche? What? Worst captain ever. Ok, c'est cool, je dois te battre, non? Qu'est-ce qui se passe? Bah moi aussi, je vais sauter. Ouh. Ok, ouais, donc, bon. Je dois le battre. Escape time. Oh, look, a kitty. Eh, oh, le tape pas, là. Oh, elle est belle. Elle est trop mignonne. C'est ma petite sœur. Ah bah oui, c'est ma petite sœur, il n'y a que elle pour faire ça. Hein. Hey, guys, that little je sais pas quoi, let's make her captain so we can become proper hardcore pirates. Oh yeah, let's. Non, lui faites rien. Oh, il kidnappe ma petite sœur. Et je vais devoir la sauver. Eh oui. Bon, toi, t'es un méchant pas beau. Et en plus, je vais... je vais te laisser là, voilà. Au revoir, le chat. Allez, c'est parti, on fonce un peu, là. Je te dis donc, ça va être quoi? C'est que le deuxième niveau, là? Oh, merci.
Mais ça va me servir à quoi, c'est quoi? Big Brother. Eh oui, j'en étais sûr, c'est ma sœur. Help, I've been kidnapped by pirates. They smell funny. Hein? They smell funny. Smell, c'est sentir. Et en plus, elle fait la bob. Bon, je sais pas, c'est pas grave. Ouh, ouh, yeah. Alors, on va faire un triple shoot. Ah non, elle se... Ah merde, elle se... Ah non, ça c'est dommage. D'accord. Moins 65. Ok, des fois je comprends pas tout. Mais là, on va foncer. Wouhou! Oh yeah. Oh, ça c'est classe. Oh, moi c'est ce que je veux. Oh non, mais toi tu gâches tout, toi. Ah, c'est ce que je veux, là. Franchement, dans les deux autres, je me suis pas assez éclaté au niveau de la vitesse. Mais là... Ah, je suis désolé. En plus, je vois un looping derrière à la façon à la Sonic. Oh putain, mais toi tu m'énerves, toi. Tout ce que je veux, c'est foncer. Non, mais... À mon avis, ça, c'est un niveau fait pour ça. Ah ouais, là, franchement, pour une fois, là, je crois qu'ils ont vraiment fait un niveau exclusivement pour foncer. Allez, des petits wall jumps, ça faisait longtemps. Allez, je gère. Ah ouais, là, j'ai vraiment envie de foncer. Ah, c'est vraiment classe. Ah, j'aime bien. On passe déjà à notre niveau, du coup, je pense. Ah ouais, bon, bah, si c'est ça, on risque de le finir, quand même. Donc, il sera... Oh, putain. Ah, d'accord. Oh. Ah, j'ai cru que c'est... Ok, d'accord, en fait j'ai cru que c'était des lasers et que j'allais passer à travers et je voyais mal comment faire, mais... Ok, non, c'est bon, c'est des plateformes. Non, c'est sûr, peut-être qu'il est pas aussi long que ce que je pensais, mais néanmoins, ça en fait pas un jeu hyper bâclé. On voit vraiment que là, ils ont mis le paquet, il y a vraiment des... Bah, si franchement... Merde, je fais vraiment n'importe quoi. Il y a autant de niveaux que ce qu'on a vu et que c'est vraiment des niveaux assez complets, enfin... Merde, alors là, faut vraiment que j'aille plus vite. Attention, c'est parti. Non, faut pas que j'aille plus vite. Non, 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 c'est bien ça qu'il faut que je fasse. Allez, hop. Voilà. Ouais, bah, du coup, ça en fera un bon jeu quand même. Hein. Ouais, qui mérite d'être sur le PSN et le XBLA. Ouais, ouais. Sincèrement, je trouve qu'il mérite. Oh, une étoile. Yes. Je sais pas quoi elle sert, mais yes. Ça doit peut-être être pour débloquer des trucs. Alors, j'ai vu aussi, avant de commencer le jeu, qu'on pouvait... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'on pouvait jouer en ligne apparemment avec des amis, mais je vois pas comment. Est-ce que on se baladerait? Mais attendez, mais je reviens en arrière. En fait, non, c'était un niveau bonus. Et la suite, elle est par là en fait. Oh, mais il m'énerve lui, putain, dis donc. Oh, mais aussi, je fais n'importe quoi. Hein. Tiens, pour la peine, j'ai shooté. Tiens. Alors, warning, we should probably fix that. Ah ouais, bon, c'était sûrement un truc... Et merde, mais là, je reviens en arrière. Mais... Mais je comprends pas. Ou alors, il y a un truc tout à droite que j'avais pas vu. Là, si... Oh oui, oh oui! Combo. Ouais, parce que je vois quelque chose en bas. Que... Ouais, bah oui, ok, oui. Oh yeah, j'ai une vie. Bon, d'accord, ok, bah ça devait être par là. Ouais, oh ouais. Non! Donc, j'ai dû louper ça tout à l'heure. C'était quoi ça? Ah non, j'ai cru que c'était une clé. Je sais pas pourquoi j'ai vu une clé. Bon, ouais, voilà, tout à l'heure, j'ai dû aller... Ouais, si, ouais, j'ai été à gauche. Pas que je fasse le... Non, mais je refais le con, mais c'est pas possible. Le pire, c'est qu'en plus, je suis sûr que le mur, il a été mis là, mais exprès. Donc, on va aller plus doucement. Je fais quoi? Je choisis quoi? Voilà, ici. Très bien. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Ah, merde. Ah, d'accord, ok, je peux m'accrocher... Oh, l'herbe! Alors ça c'est un design qu'on avait déjà eu dans le précédent. Oh, mais vous faites chier! Bon, non, en fait, je crois que ça aurait été peut-être... Putain, mais... Ça aurait été peut-être plus judicieux de passer par en haut, parce que souvent, dans les jeux de plateforme, c'est ça. C'est quand tu passes par le haut, bah, c'est des meilleurs chemins qui te font aller plus vite. Mais là, je crains fort que ce soit trop tard. À moins que... Ah! Ah! Eh ouais, oh putain, j'y arriverai pas. Oh, mais...
Je crois que je vais les faire cuire avant de terminer là. On va finir dans la gamelle. Bon, des souris ça se mange pas, je sais, mais. Ouh putain, je vais m'enfoncer dans les bois. Oh, il y a des grenouilles bizarres. Des grenouilles rouges. Est-ce que je peux les shooter? Oh, pas mal. Oh oui. J'aime bien. Oh, de toutes les couleurs. Vous avez copié la couleur de mes shorts. Imposteur. Allez, double shoot. Ah non, même pas, dommage. Oh, j'adore toujours autant ça. Ça, c'est bien marrant. Bon, allez, je fonce. Merde. Allez, accroche-toi. Oh putain, non, il aurait fallu que j'aille plus vite. Mais je vais quand même tenter de passer par le haut. Il doit y avoir peut-être quelque chose. Et elle va me faire chier la grenouille, je le sens. Oh oui, je l'ai esquivé. Eh merde. Pas assez vite et non. C'est que j'ai été. J'ai sauté trop tôt. Ah là là, j'y arriverai pas là. Ah si, c'est bon. Ah, c'est quoi ça? Where are you? I'm too cute for this plotline. Ok, si tu veux. Moi aussi, je trouve ça cool. Bon, bah, on va continuer, hein. Des bons designs. Ouais, 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 c'est bien. Il y a du bon design. Exit. Ah, ça y est? D'accord. Et à mon avis, il devait certainement y avoir des trucs à faire dans le niveau. Des trucs que je n'ai pas été voir. Mais je me tâte, en fait, parce que je sais pas si ce serait mieux que je cherche, quitte à ne pas finir le jeu. Ou plutôt que... que je fasse le jeu très rapidement. Oh, moi je pense que, vous savez quoi, je vais faire le jeu rapidement. Et c'est seulement si je tombe, bah... Oh, waouh. Oh, j'adore le clivage entre les deux. Oh, là je trouve là ce... cette différence entre l'herbe et le sable, là, magnifique. Avec les différents plans derrière. Ah, ça m'impressionne, ouais. Et pourtant, c'est des petits détails, hein. Oui, voilà, là on est sur la plage avec au fond... Oh, il y a des châteaux de sable. Oh, bah, j'ai détruit un château de sable. Oh, je peux pas l'avoir. Ah ouais, non, d'accord, parce qu'il met ses pinces en haut. Et à mon avis, il fallait que je glisse. On va voir, dès qu'on va rencontrer à nouveau. Trop fort. Et les musiques aussi, elles se varient pas mal. Bon, on va essayer cette fois. Ah, il les met aussi sur les côtés, ses pinces. Je sens que ça doit pas être des ennemis faciles. Allez, on va essayer là. Oh, trop court. Bon, c'est pas grave. Allez, là. Yes, c'est ça, j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il faut que je monte. Ah non, bah vous savez quoi, là on était en bas, à mon avis il doit y avoir quelque chose. Donc on va aller voir, une espèce de porte, un niveau bonus, non même pas. Oh oui, oulala, je cours sur le mur si c'est pas la classe ça. Non, à mon avis c'est là où il faut que je continue. Hein. Bah vous savez quoi, franchement, dans les autres Fancy Pants, si on faisait pas, surtout le premier, hein, si on faisait pas les portes bonus, les portes... de défi, ça en faisait un jeu extrêmement pauvre. Là, vous voyez bien, les niveaux sont plus longs. Le level design a été beaucoup mieux pensé, beaucoup plus détaillé. Et donc, là, vraiment, on peut dire que c'est un vrai jeu vidéo. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, je comprends le fait qu'il soit passé au rang indépendant. Pourquoi ? Parce que dans un jeu vidéo, tu ne dois pas te sentir obligé de faire les bonus pour que le jeu soit long, qu'il ait une durée de vie potable. Alors que là, vous voyez bien que pour celui-ci, c'est exactement le cas. Je ne fais pas les... Je parle surtout par rapport aux autres, hein, aux autres Fancy Pants. Je ne fais pas les portes défi, enfin, je ne cherche pas. Et pourtant, voilà, on voit que le jeu, il est long. Il a des ressources. C'est très original, comme vous voyez, avec l'eau aussi qui a été rajoutée. Il y a des effets de lumière aussi qui sont pas mal. Franchement, il y a beaucoup de petits détails qui ont été rajoutés et qui sont vraiment plaisants à l'œil. Et puis, on évolue à travers des environnements qui sont bien différents. Non, non, franchement, j'aime bien. Là, on va arriver sur le plateau des pirates. Ah, donc ce serait la fin, alors. Plan A. Alors, plan A. Learn to jump. Apprendre à sauter. Statue fail. Ah d'accord, c'est les araignées qui ont appris. Stand on something tall, fail, make... Oh bah tu me caches la vue là. You there, man of fancy pants.
attempt to go, je sais pas quoi. We are exploiting your one weakness to create an impenetrable wall of buried musk. Let's see you stomp our delicate head now. And such. Yay, guys, this is so brilliant. We finally defeated the good guy. Bah attends, hey, tu m'as même pas battu, comment tu peux m'avoir defeated? I mean, the only way Fancy Pants Man could get past us is with an entirely je sais pas quoi. Shh, don't give him any ideas, you ignoramus. Ouais, moi je veux te taper, c'est tout ce que je veux. What? No player is going to leave the ship using that spring over there, then. Look all the way to the left for a way to get to the bottom of the cave. Hein? It's completely unintuitive game design. There's no way any player is going to know je sais pas quoi. Make a tower of bloody... D'accord, ok. Ok, je ne peux pas passer. Et à mon avis, ils ont dit que je devais passer par... Hein? See, I knew... Just... Circle ici using that spring. Ah, je comprends pas trop l'anglais. Look for... En plus, je prends pas le temps aussi. Bon, si tu veux. Qu'attendez-vous de moi? Ah, oui, d'accord. Non, en fait, je suis passé par là et tout simplement, il fallait que je passe par en dessous. Hein? Je peux pas passer par en dessous. Mais je vois des trucs là en dessous. Alors ça voudrait dire qu'il y avait une entrée quelque part que je n'ai pas vue. Il parlait du level design qui n'était pas génial. Parce que du coup c'était pas logique ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il fallait que je récupère des trucs qu'au final je n'ai pas récupéré et... Et ça me porte préjudice pour la suite. Aïe 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 aïe. Bon ouais, je peux retourner en... Ah je viens d'où moi? Je viens de là non? D'en bas. Bon, ok. En fait je sais même plus d'où je viens. Si, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Et là je vais remonter vers le bateau. C'est ça. Ouais mais bon non, c'est toujours pareil, enfin. Ouais bon je pense que. Ouais je pense que je dois je dois contourner quoi. Il me semblait juste être déjà passé par là. Ah bah non. Alors faut que je continue en bas alors. Et je veux l'étoile. Je veux l'étoile. Oh putain. Allez. Allez. Oh putain. Laisse-toi glisser. Voilà. Bon bah écoutez, on va continuer, on va voir si s'il y a des chemins que je n'ai pas fait, ouais. Ouais, à mon avis, je suis pas déjà venu ici, hein. Non, sinon je m'en souviendrai de cette longue ligne droite. Bonne musique aussi, j'aime bien. Oh, c'est joli. On va vraiment dans les fins fonds et bientôt on va rencontrer le Titanic. Oui, j'ai vu la porte, mais je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Bon, on va aller dans la porte. Alors, comment on va ouvrir une porte sous l'eau? Ah, d'accord. Et maintenant? Ok, donc j'arrive par le dessous, dans le bateau. Bon, c'est pas très très logique, hein, mais... Admettons. Bon, on va essayer de bien jouer. Voilà, très bien. On va faire pareil ici. Super. Allez, rebondis. Oh, petit problème. Petit problème. Ok, parfait. Oh, toi, j'ai envie de te shooter, toi. Pouf. Voilà. Juste pour le style, ça me fait plaisir. Ah, moi, je m'éclate à jouer à ces genres de jeux. C'est vrai que, de toute façon, bon... Les jeux de plateforme, c'est le style de jeu que je préfère. Parce que, bah, bon... J'ai un passé qui fait que voilà, je ne peux pas être indifférent aux jeux de plateforme, hein, sachant avec lequel jeu j'ai commencé, hein, un petit certain hérisson bleu, pour ceux qui ne sauraient pas encore.
Et donc, ben forcément, j'aime bien les jeux de plateforme, mais bon, il y a des raisons à cela, c'est parce que, ben voilà, les jeux de plateforme, c'est fun à jouer, ça demande de la précision, même si parfois ça en demande peut-être un peu trop. Arg, where did I leave that pencil? I need to draw my latest masterpiece. 500 sticks, je sais pas quoi. Alors, j'ai un stylo qui est éclairé par une douce lumière. C'est un crayon que j'avais au début du 2. Et je me disais, oh, je vais pouvoir attaquer et tout. Et là, peut-être... Oh, y a une... la caméra se rapproche. Oh, il est devenu bleu. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. C'est une sorte de musée. Et il a fait comme dans l'Indiana Jones, dans le premier, quand il remplace une espèce de pièce rare par un objet du même poids afin que la stèle ne détecte pas que l'objet a bougé. Bon, ça n'a pas trop marché dans Indiana Jones, mais ici, ça a l'air de marcher. Si c'était réellement ça, hein. Hey, I see what you did there, but I can't draw word 4 with a bag of sand. So, give me that pencil back when you're... D'accord, en fait, il veut dessiner le Word 4 à leur image, si je comprends bien. À moins que ce soit le dessinateur qui dit ça, mais ce serait pas très logique. Parce que, moi, j'interprète l'histoire comme ça, c'est-à-dire que... Bon, apparemment, les pirates, voilà, ils veulent refaire le monde, carrément, en s'emparant du style du crayon. Et grâce à ce crayon, bah voilà, ils vont pouvoir façonner leur avenir comme ils le voudront. Video game 101, when one encounters a weak point, one must attack it for massive damage. Give the A key and tap to the... Oh, ok. Ah, c'est grâce à ça que je vais pouvoir... Oh yeah, je peux attaquer maintenant. Comme une épée, là. Tac, 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 tac. Ah, c'est trop classe. Et quand je saute et que j'attaque... Ah ouais. Quand je laisse appuyer... Ah ouais, quand je laisse appuyer... Oh putain, on devient mais carrément un chevalier. Et en plus, l'animation, elle est superbe. Ah, ça change complètement le jeu, là. Je me crois Ike, en fait, dans Super Smash Bros. Brawl. Là, quand il charge. Quand on fait, comment ça s'appelle, A plus une touche directionnelle. Oh, mais c'est trop classe, j'adore. Oh, j'aime vraiment cet élément de gameplay. Oh, s'il l'exploite un peu plus, là, c'est... Et là, du coup, ouais, je peux me battre... Voilà. Ça, je parie que, du coup, je ne peux pas leur sauter par-dessus à cause de leur casque. Et je peux faire le brave chevalier. Tu veux voir si je saute dessus? Ouais, voilà, ça marche pas. D'accord. Mais apparemment, ça les tue pas. Donc voilà, il faut que je leur jarte leur... Oh putain, alors par contre, ça fait ramer. Faut que je leur jarte leur casque d'abord avec une super attaque. Et après, voilà, je peux... Putain. Wow, qu'est-ce qu'il a fait là? Attendez. Wow, mais... Ok, ah oui, donc si je charge si je charge mon attaque en l'air, il va faire un truc super stylé. Oh yeah. Là, ça me fait penser à Sonic and the Black Knight. Il fait un même mouvement. Et par contre, le truc est... Ah, il lisse, là, comment il a... Ah, je charge et je saute, je parie. Non. Oh putain. Carrément. Oh, je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire, là. Ah, trop fort le bug qui change d'expression. Ah, il y a plein de choses à faire, je parie. Qu'est-ce qu'il me dit là? This little bugger's gonna take more than simple jab. All at two, d'accord, ouais, ça c'est bon, j'ai compris. You'll cycle between a swing, but you can pick and holding up and down and press A. Ah, ouais, mais c'était ça en fait. Donc en fait, je garde le truc appuyé, j'appuie en haut, je lâche et j'appuie sur le saut. Ça... Non, c'est pas ça. Ah. Attendez, faut que je m'y fasse, là. Faut que je m'y fasse. Ouais, c'est ça, hein. Bon, c'est assez complexe, quand même. Surtout qu'avec des touches de clavier, c'est pas... Moi, j'y arrive pas, voilà. Il y en a qui arrivent bien avec le clavier, mais moi, non, c'est pas vraiment mon truc. Ok. Ouais, mais non. Ah, dommage. Fallait que j'aille en bas. Là, allez. Ah, oh, mercredi. Bon, on recommence. Je vais essayer de les avoir, ce serait pas mal. Là, faut que je rebondisse. Oh, putain.
J'ai compris, il fallait que je rebondisse et qu'après je fasse un wall jump. Oh, ça devient dur là. Allez, c'est parti. Non! Non, c'est pas vrai. Allez, doucement. Oh, je dis doucement et il va vite quand même pour tomber. Oh putain, mais qu'est-ce que ça lag des fois? Oh, il rate le machin, mais j'y crois pas. Allez. Oh, mais il s'accroche. Oh, et putain. J'espère qu'elle a réapparu. Ah, c'est bien, elle réapparaît. Ouais, alors d'accord, si je vais pas assez vite, il s'accroche. Merde. Oh oui, je l'ai eu. Oh non. Oh, faut être rapide en plus. Oh, mais j'y arriverai jamais, ça. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme technique, là? Doucement. Faut aller doucement, mais vite. Allez. Ouais, c'est bon. Non, oui. Oh putain, je sens que ça va être galère. Allez, allez, allez. Non, oh mais non, mais c'était beaucoup trop long. Oh non, mais ça c'est pour les hardcore gamers. Hein. Maintenant, ça y est, hein, Bradborn, il se sent plus, il fait des trucs pour les hardcore gamers. Hein. Oh là là, ah ouais, 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 ça présente quand même pas mal de challenges. Hein. Autant dans le tout premier et dans le deux, on pouvait vraiment tout faire avec de la patience. Là, il faut même en redoubler de la patience. Hein. Vraiment, hein. Ah ouais. Et c'est pas plus mal, hein, même si j'y arrive pas, c'est normal. Je suis un peu pressé parce que, bon, j'aimerais quand même terminer le jeu. Si vraiment je voulais y passer du temps, je ferais plein de vidéos dessus à la suite. Mais bon, ça deviendrait vite lassant. Déjà que là, je trouve une heure, c'est énorme. Bon, et bah oui, et bah voilà. Et bah maintenant, je peux remonter et aller détruire le mur humain. Le mur humain, araignée, coquille. Je crois qu'il y avait tout ça dans l'eau. Allez, on remonte. Et je peux m'en servir dans l'eau? Ah non, je peux pas m'en servir dans l'eau. Merde, c'était pas par ici que je devais passer. Ah, j'aime bien la musique dans l'eau, elle est assez reposante. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je l'aime bien. Des fois, quand les musiques sont pas tellement bonnes, on les remarque pas. Et quand elles sont bonnes, eh ben on les remarque. Donc si on les remarque, eh ben... c'est qu'elles sont bien faites, tout simplement. Allez, on va le détruire. Et après, je pense que ce sera terminé. À moins qu'il... Mais putain! Allez. Je charge mon coup. Bim! Yeah! C'était bien ça. Allez, je peux continuer maintenant. Ah, sympa. Recherche d'items et tout. C'est des bonnes idées. Pirate. Grave quoi? Captain's Quarter Princess. D'accord. Oh là là, je vais devoir rechercher des clés. C'est parti. Ok, bon, là il n'y a rien, je sais pas à quoi ça sert. Si, ce sera certainement pour remonter après. Oh, des plaques qui bougent. D'accord, un petit peu de physique, donc, apparemment. Ok, donc là on va se dépêcher peut-être un petit peu. C'est quoi ça? C'est des aimants? C'est quoi? J'ai du mal à visualiser ce que c'est. Allez, on va récupérer pour la serrure rouge. Oh putain, je commence à avoir mal au poignet. Pas que j'oublie. Allez, ça c'était beau. Comme il a ramassé du crayon là. Alors par contre j'ai assez de mal à tout coordonner. Mais ça va le faire. Merde. Non, faut que j'aille sur la plaque où il n'y a rien. Mais quel con qui chenifle. Oh là 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 là. Faut que je prenne de l'élan. Hop, hop. Oui, c'est bien mon petit fancy. Et bim. Et du coup quand je tue tout, c'est ça? Zero baddies left, c'est ça. Et j'obtiens la clé. Ok, parfait. Ah, oh, c'est sympa, dis donc. Oh, j'aime bien. Ils ont vraiment... Enfin, il a vraiment diversifié le truc, hein. En même temps, il était un petit peu... Ouf, obligé. Alors maintenant, je suppose qu'il faut que je passe par le bas. Par là. Non, il n'y a rien ici. Y a rien ici. Il faut aller où? Ah, là-haut. Et comment tu veux que j'aille là-haut? Hein? Mais... je crois pas qu'il y a d'autres chemins. Ouh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah si, peut-être sur le lustre.
Il y avait certainement des plateformes, non? Il y a une porte en bas, mais alors comment on y accède? Là, ok. À mon avis, ouais, faudra faire tout le tour. Ah, ok, c'est bien ce qui me semblait. Ok. On va pouvoir s'accrocher à ces mains. Ah non, on s'accroche pas, c'est carrément des trampolines. Ok. Bon, on va d'abord aller en bas. Alors, cette porte, je sais pas trop à quoi elle sert, mais à mon avis, ce sera pour. Truc bonus. Allez, on va voir. Ah. Qu'est-ce qui se passe? These tunes are smooth city. Can you dig it? Ouais. You can dig anything about the Foxy Disco. Ouais, ouais, bref, allez, 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 on passe là. C'est cool. Elle est où la zik là? Bon. Si je te réveille, toi? Non. Bon. Eh ben, j'en sais rien. Et je fuis. Et on continue. Voilà. Là, alors. Ma soeur qui m'écrit. Mais dégage toi! I'm now capped in a cutty and I order you to turn around and go back. Being a pirate princess is far more exciting than being your little sister. elle me dit de faire demi-tour et de pas venir la chercher parce que maintenant elle a une vie super excitante et tout. Aïe 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 aïe. Eh ben, moi je suis un héros, donc je vais venir te sauver quand même. Non. Et parce que je suis ton frère et que j'aime bien emmerder ma petite sœur, voilà. Même si je n'ai jamais su ce que c'était d'emmerder une petite sœur, eh non. Ni un petit frère, eh non. Malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, hein. Je veux dire, ça a des avantages, hein. Oh putain, oh putain. Je t'ai pas vu venir, toi. Allez, viens te battre. Au moins, quand j'étais petit... J'avais pas de frère qui me faisait chier ou de sœur pour jouer aux jeux vidéo. Ah ça y est, je l'ai defeated. Bon bah j'ai defeated apparemment. Oh putain, il continue à enchaîner. Oh putain non, j'ai niqué un canard. Bon bah apparemment faut le tuer, non? Bon bah oui. Je vais te faire un super coup de la mort, attention. Pouah. Oh putain. Oh putain, il y en a un autre qui arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Comme ça? Alors attends, je vais essayer, je vais tenter un truc. Hop. Oh merde, raté. Plus près de lui. Oh là là, l'esquive. Hop là. T'as rien vu, hein. Hop. Oh putain, ce que je lui ai fait. Oh énorme. Oh énorme, alors ça c'était un kill de fou. Pff. Oh là là, et je suis trop fier de moi quand je fais des trucs comme ça. Mais malheureusement, je le fais pas exprès. Dommage. Bon. Allez. Eh ben, il me reste plus qu'une clé à avoir. Et je suppose qu'il faut passer par en dessous. Eh oui. Et après, nous accéderons au QG final du boss. C'est ça? Maybe. Et vous voyez, au début, avec les premiers niveaux qu'il y avait, je me suis dit, bon, bah, il va peut-être être un peu plus... Ah, attendez, là, je vais me concentrer peut-être. Même si je sens que ça va être super compliqué. Merde, surtout si je fais le con. Allez! Oh bah non, bon c'est pas grave. Oui, je me disais, ça allait être bon, bah Fancy Pants comme un autre, et puis bon, bah ils vont. Il va y avoir des niveaux quoi, et ça va se suivre sans forcément avoir une logique. Et là non! Ils ont carrément instauré une histoire et différentes manières pour accéder. Oh non, j'ai fait les conneries. Oh non, mais. Venez et tapez-moi. Je veux être flagellé. Oh putain, non, je vais devoir tout me retaper, non. Ils auraient pu mettre un panneau, n'allez pas là-bas. Tiens, ça, j'avais pas vu ça. Allez, va plus haut. Et qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, je dois me battre. Allez, viens là. D'accord, tu voudras pas bouger? Bah je ne bougerai pas non plus. Oh putain! Oh putain, il y a des petits ninjas. Allez, tiens, t'as rien vu venir. Putain, on dirait que c'est du sang qui gicle, mais en fait, non, c'est le score qui est en rouge. Oh là, je l'ai eu. Mais là, je vais avoir quoi, là? Putain, mais... Alors ça, je sais pas comment je fais. Je le fais à la Link, là, mais je sais pas comment je fais. Putain, je fais n'importe quoi. Oh, petit ninja, vas-y, viens là. Ouh, esquive. Oh, putain. Oh, ils ont l'air chauds.
Allez, tiens. Oh, mais c'est vachement bien. C'est juste que je suis pas encore très à l'aise, hein. Mais bon, ça vient. Et qu'est-ce que j'ai eu là? J'ai eu un mouchoir. J'ai eu quoi? Bon, d'accord. Ah oui, donc je vois les objets que j'ai récupérés en haut à droite et effectivement, j'ai d'autres choses à récupérer. Ah, donc ça va être encore assez long, hein. Oh, puis merde, je suis trop tombé. Aïe, 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 aïe. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Mais à mon avis, ça doit pas être obligatoire de récupérer ces sortes de mouchoirs, là. Faites voir si j'attends, là. Je crois que j'ai vu des trucs. Ah oui, effectivement. Ouais, à mon avis, ça doit être optionnel parce que... Oh non, il avait perdu de la vitesse. Du coup, j'ai pas pu y aller. Parce que la porte, elle est... Bah voilà, comme vous voyez, il n'y a que des serrures. Donc, à mon avis, si c'est vraiment le repère du boss, bah, il ne doit pas y avoir besoin de ces mouchoirs. Mais alors, dans ce cas-là, ils servent à quoi? Je ne sais pas. Hein? J'avais été là tout à l'heure. Et il n'y avait pas de mouchoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça y est, j'ai compris. Regardez la boule disco derrière. C'est pour reconstituer la boule disco. Et on va pouvoir après danser sur le dance floor. Yeah, yeah, on va faire la vibes. C'est pour ça. Ah, donc c'est bel et bien facultatif. Bon là par contre... merde, merde, c'est où qu'il faut aller? Ah oui, sur ça là, non? Oh putain, j'ai pété un câble. Allez. Jump, jump. Ouais, c'est ça. Oh putain. Allez, go. Et oui. Faut pas tout que je retombe, sinon ce serait con. Là, donc je l'ai eu, le jaune. On peut continuer. Et cette fois, il faut pas que je refasse la même erreur. On va descendre, on va voir ce qu'il y a là. Mais j'y avais déjà été. Et là-haut, il y a quoi si j'y vais? Oh putain, attendez, là je vais doucement là. Attention, là, voilà, là je peux monter ici. Merde, non. Je vais prendre un peu plus d'élan. C'est parti. Ok. Ok, elle est là, la dernière porte. Bon, je pense qu'on va aller à cette porte. Et après on ira directement débloquer les autres. Putain, il a un truc de pirate lui. Et ma super attaque! Allez, tiens! Ah oui, parce que quand je lui fais ça, ça lui fait rien, non? Ah oui, ça lui fait rien, faut vraiment que je fasse ma super attaque. Ok, d'accord. Merde, dans l'autre sens. Ah bah bien, bah bravo! Allez! Et je peux l'enchaîner? Ah ouais, d'accord! Ah, je peux rester comme ça! Mais ça lui fait rien ou quoi? Ah, ça y est. Ouais, donc d'accord, tant que je suis comme ça, je peux continuer à... Oh, je fais n'importe quoi. Oh, tout ce qu'il y a. Oh, je les enchaîne là. Oh, je les enchaîne. Ah ouais, on peut faire des combos. Quand on enchaîne comme ça, il fait un combo lui-même. Ah ouais. Ah là, c'est à la Roy. Il le fait à la Roy, là. Ah, pas mal. Par contre, là, j'ai plus de musique. J'ai plus de musique. J'ai décidé qu'il avait plus envie de jouer. J'ai été trop long pour lui, il en a marre de jouer la musique. Bon. Là, je sens qu'il faut bien... Allez, il faut bien charger le coup, là. Bim, les deux en même temps. C'est pas beau, ça. Et il me reste plus qu'un. Et on l'enchaîne. Et c'est bon, c'est fini. C'est ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant que je monte? Bon, ben, je monte. Non, non, c'était juste pour récupérer des trucs. Ah, il y a la clé, là. Ok, oh, c'est vraiment sympa. En plus, on se prend bien pour un chevalier. Les animations sont super bien réussies, franchement. Bon, vous allez me dire, c'est pas très compliqué de le faire avec un personnage aussi simple. Mais quand même, hein, non, non, hein, non, non. Je pense sincèrement que ça doit être plus compliqué que ce qu'on croit. Ok. Il faut pas que je fasse l'erreur. Ah bah si, 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 maintenant je peux remonter, du coup. Et je pense que là, ça doit m'emmener à... une porte avec un mouchoir là, enfin un mouchoir, un morceau de la boule disco. Ah oui, c'est ça. Oh bah écoutez, si j'arrive à l'atteindre, on le fait. Hop, ouais, c'est ça. Bon, par contre, j'aurai pas le dernier morceau. Est-ce que ça vaudra le coup que je le cherche quand même? Hein? Parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé l'autre. Putain, ça ferait un paquet là. Non, non, oh putain,
Non, 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 non. De toute façon, je vais pas aller chercher l'autre morceau. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Après, ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Allez, cette fois maintenant, on peut réellement foncer. C'est parti, allez, 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 cours, 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 cours. C'est bien. Et maintenant, on va se fighter au vrai boss, je suppose. Et là, je vais me battre contre ma sœur. Ah, c'est pas terminé. Allez, tiens. Un deuxième en moins. Et un troisième en moins. Maintenant, je vais pouvoir. Oh! Je vais vous faire des combos là. Les trois d'un coup. Oh, si c'est pas beau ça. Et en plus, ils s'entrechoquent entre eux. C'est trop la classe. On peut faire vraiment des beaux enchaînements. Ah, je trouve ça vraiment stylé. Allez, tiens. Bon, ils sont assez simples quand même. Une fois qu'on a chopé le coup de main. Olé. Olé. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça sent vraiment le dernier niveau là. Allez, hop là. Ok, on gagne en vitesse, c'est bien. Oh, il s'accroche et tout. Oh, j'adore. Bon, lui, on va l'esquiver. Oh, je l'ai carrément fait dégringoler là. Bon, toi, dégage, j'ai pas envie de te taper. Je suis un gentil. Oh, bah non, mais là, vous me laissez plus le choix, là. Là, vous me laissez plus le choix. Allez, tiens, méga combo de la mort qui tue. Alors là, je vais vous faire une super attaque. Yaha! Ah, j'aurais bien aimé continuer à rebondir. Allez, retournez! Tiens! Pas mal. Bon, fini la rigolade là. Ah merde. Là, à mon avis. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Alors là, ça va être chaud. À mon avis, il va falloir que je les élimine si je veux être tranquille. Si je vais pouvoir prendre de la vitesse. Bon, lui, il me fait pas chier là-bas. Allez, c'est parti. Ah, mais d'accord, je peux aussi. Ouais, plutôt. Mais je l'avais pas détruit, lui. Allez. Tiens. Maintenant, tu me laisses faire mon saut. Hop là. Hop là. Hop là. Non! Oh oui, non! Oui, oui, non, oui, oui, non. C'est bon. C'est bon. Oh putain, oh putain. Oh, mais ça va être trop dur là. Oh là là! En plus, c'est pas hyper précis, hein. Il glisse pas mal quand même, hein, Fantasy. Ouh. Oh, j'ai réussi. Oh, oh, oh. Oh, ça, c'était chaud quand même. Ça paraît peut-être pas. Ouh, y a des bonnes phases de plateforme, hein, quand même. J'aime bien. Hein. Ah, ça y est. Ah, j'étais sûr, je vais me battre contre elle, contre son spectre, son sceptre. Did you know, get my cute message? I won't go home. I won't, won't, won't. No, 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 no. Tell the smelly. D'accord, connasse. Et allez, c'est parti. 15 hands on je sais pas quoi. And a barrel of monkey. Hic. Ah ouais, t'es bourré quoi. I'm almost done. Ok, allez, parle tout seul. Moi, je te laisse. Et c'est quoi ça? Pirate donjon, under construction. Ok. Ça continue, hein. Eh, mais dis donc, dis donc. Ah, c'est pas un jeu de Moïse, hein. Dis donc. Ah ouais, je pensais qu'il serait même encore plus court, beaucoup plus court que ça. Déjà, j'ai bien fait de pas faire les trucs annexes. Enfin, je les ai pas tous faits, heureusement. Parce que là, sinon. C'est marqué quoi là-bas? Ah, c'est un défi. Oh, mais je vais pas aller le faire. Bon, toi, tu me saoules, toi! Oh putain, je peux pas l'avoir comme ça. D'accord, il faut des super coups pour détruire à chaque fois qu'ils ont des casques. C'est vraiment à chaque fois. Il n'y a pas des casques moins résistants que d'autres, hein, à part ce que j'aurais pu penser, par exemple. Bon, il y a plein de chemins. On va dire que on va aller par là. Généralement, aller à gauche, c'est pas super bon signe. Je vais quand même tenter de monter sur la plaque là-haut. Là. Et merde. Comment je peux faire là, par exemple? Si je montais là. Ah, si. J'ai une idée. Hop, et. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Allez. Voilà. Oh yeah, un message.
Why don't you listen when I stomp my feet and pout? D'accord. Si tu veux, petite sœur. Mais je viendrai quand même te chercher. En même temps, je suis obligé si je veux finir le jeu. Hein. Ouh, ce lag. Oh, ça faisait longtemps que j'en ai pas eu, tiens. Ah, ça y est, franchement, là, je m'y fais aux plateformes. Je m'y fais. Même si, encore une fois, je serais beaucoup plus à l'aise avec une manette. Ça commence à me faire mal au poignet, la position de mes mains. Et je peux pas trop en changer. Wow, mais non, mais ça, c'est un énorme niveau. Ça, bah, si tu veux faire de l'exploration, si tu veux tout prendre et tout, il faut pas mal de temps. Hein. Oh, la porte. Ça y est. Ah, ça sent une musique de niveau bonus. Non. Oh, on sort. Oh, un canon. Oh, c'est joli. Classe. Ah, c'est fort, j'aime bien. Il arrive encore à me surprendre, c'est bien. Oh putain, un niveau complètement dans l'eau cette fois, non? Ou non, en fait, on est arrivé là. Ah oui, on a atterri dans l'eau et là, on va revenir sur la plage, sur l'île qu'on avait vue. Classe. Ah, on peut se coucher sous l'eau. C'était classe. Ah, y a pas à dire, hein, j'arrête pas de le répéter, mais il a la classe ce Fancy. Putain, c'est beau avec l'arrière-plan et tout, on s'y croit vraiment. Bon là je fais que courir, là. Je vois pas ce qui m'arrive mais... D'accord, si tu veux. Dommage, ça dure pas bien longtemps. Les beaux environnements, ils sont pas énormément exploités, c'est dommage. J'aurais bien aimé évoluer un peu plus longtemps dans ce... Oh putain d'accord, là en fait... Ah je viens juste de comprendre qu'il fallait pas que je tombe. Et c'était un niveau bonus, non? Ah non, là j'y retourne. Ah putain ouais, ah, une phase de plateforme dans les airs où il faut pas tomber. Ah très 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 intéressant. Je sens que ça va se compliquer. Ouh là là. Allez, je reste concentré. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Faut que je joue avec la physique. C'est parti. Wouhou. Oh non 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 non, je vais où là? Hein? Ah, j'ai fini. Je me disais, mais il fallait que j'aille où là? Oh, ça y est, on arrive dans un temple. On va se la jouer à l'Indiana Jones. Et bientôt, il va y avoir un poulet qui va nous poursuivre. Oh putain. Des plaques mouvantes. Autant par leur déplacement. Par leur... ben là, voilà quoi. Voilà quoi. Voilà, vous voyez quoi. Voilà, je suis mort. Ah oui, alors là, cette fois, pas de pitié, là. On n'en met pas dans un autre truc. Hein. Par contre, j'ai pas l'impression... Ah si, j'ai carrément perdu une vie, je crois. Ah ouais. Bon, allez, laisse-toi glisser. Ouf, faut que je fasse gaffe, là. Ouh là 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 là. Là, je crois que je m'en suis bien tiré, sans faire exprès. Putain, mais... C'est trop bien. Comme ça se diversifie, c'est incroyable, je trouve. Ah, c'est quoi ça? Un livre de recettes? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une porte à moitié gribouillée, en bas, enfin à moitié effacée plutôt. Est-ce qu'il va falloir que je la reconçoive? Putain, ça y est, je deviens un pro chevalier maintenant là. Aïe! D'accord, j'ai peut-être parlé trop vite. D'accord, en fait, ça montre les mondes qui sont en train de disparaître, non? Oh putain, oh oui, oh là 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 là! Si c'est pas beau ça. Par contre, on peut pas se retourner en l'air. Ça, c'est pas génial. Est-ce que je peux y aller? Non, je peux pas y aller. C'est si j'ai un morceau, non? Ou je sais pas. Ou faut attendre de les débloquer. Putain, mais non, mais c'est... Oh putain! Est-ce qu'il va falloir que je reconstruise toutes les portes là? Ou c'est optionnel? Oh putain, mais tout ce qu'il y a!
Je m'en fous, j'esquive. Ah putain! Ok, maintenant. Bon. Oh là 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 là! Tout ce qu'il y a, mon dieu! Bon, allez, bah, je pense que je vais devoir les tuer. Et au bout d'un moment, on peut pas faire autrement. Oh putain, j'ai envie de faire un combo là. Allez! Ça, c'est trop classe, je trouve. On puisse rebondir sur eux quand on fait cette attaque là. C'est génial. Allez! Putain! Ah, ils sont trop nombreux. Allez, je fuis. Hein? Quoi? Ah oui, mais maintenant j'y retourne. Parce que cette fois, je vais pas me faire avoir. Ok, cette fois, je me combats réellement, d'accord. Ouais, ça sent le combat final, bah oui. Et bah, je me bats contre des petits monstres. Facile! Trop facile! Tu n'as pas un défi plus à ma hauteur? Mais apparemment, oui. And now, my first order of business as captain. You there? Yes, me? What? Plaît-il? I shall prove my newfound manly might of giving. Tu parles trop vite! Just, hey, keep that... Non, mais c'est pas possible. Allez, c'est parti. Dernier monstre. Encore un niveau? Ah non, ça y est. Dernier monstre. Oh putain. Oh putain, il me fout des coups de moustache, là. Oh putain, je me suis fait avoir. Oh, toute la vie que j'ai perdue. Ouh là, ça lague. Ouh, ça a lagué, là. Oh là 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 là. Et du coup, ça porte préjudice à ma manière de jouer. T'as dit donc, toute la vie que j'ai perdue, là, n'empêche. Ou alors, elle était déjà grignotée. Ils m'ont pas remis la vie à fond. Oh, mais tout ce qu'ils mettent, mais c'est des tarés. Mais viens là, toi. Tiens. Je suis pas sûr que ça te fasse quelque chose, mais bon. Ah oui, d'accord, faut attendre que tu sois comme ça. D'accord, il se gratte la moustache. Oh, mais je suis mort. Waouh, 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 waouh. Oh, bah ça, c'est pas un... C'est pas un monstre de merde. Et là, la porte qui se... Oh, putain, vite. Yes. D'accord, j'ai compris. En fait, faut simplement, bon, esquiver ce qu'il fait, quoi. Voilà. Oh, merde. En plus, il tue ses propres personnages. Donc en fait c'est ça, il y a juste à faire ça. Ah merde, fallait lui foutre un plus grand coup. Ok, j'ai compris. Donc en fait, si je comprends bien, juste à esquiver ces machins, il tue tous ses personnages, il va me foutre un coup de moustache. Je prépare un super coup et je lui enlève des... Voilà, voilà, c'est ça. C'est tout? Ça restera comme ça. Ça a l'air. Fous-moi un coup. Non merde. Eh merde. Ah si, c'est bon, je lui en ai enlevé. Oh putain. Quoi, je dois les battre cette fois, non? Allez, tue-les, tue-les. C'est bien, bravo. Bon, même s'il m'a touché. Tiens. Et tiens. Et tiens, pas besoin d'attendre qu'il soit étourni, en fait. Et tiens. Ça y est, c'est fini. Ça y est. Oh, c'est mignon. Allez, Ah ouais. Ça vaut bien un jeu PSN. C'est vrai. Parce que franchement, pour les gens... Imaginez pour les gens qui connaissaient pas, au départ, le principe de Fantasy Pounce. Bah, ils vont avoir ça, ils vont avoir le jeu, et puis imaginez, c'est un peu comme le premier et le deuxième, et ils le finissent super rapidement, ils vont se dire, bah... C'est quoi ce jeu? Je l'ai payé, mais tout ça pour ça? Bon, il doit pas être très cher, donc ça pourrait être justifiable, mais quand même. Alors que là, non, franchement, chapeau à toi, monsieur Bradborn. T'as fait un super truc, ouais. Vraiment super. Je sais pas quoi dire. J'ai dit à peu près tout ce que je pensais lors des deux précédentes vidéos des Fantasy Pounce, sur à peu près le principe. Et là, tout le long de ma vidéo, vous avez pas arrêté de m'entendre dire... Ouais, c'est génial, ah ouais, vraiment, j'aime bien, ah ouais, c'est cool, ah, c'est beau. Donc, je pense que vous avez mon avis sur la question, ouais. Mais de manière plus générale, qu'est-ce que je peux en dire? Bah, à part que oui, parce que j'ai dit, c'est vraiment un... Il mérite vraiment sa place parmi les jeux indépendants, ouais. Comparé des deux premiers, celui-ci peut réellement être considéré comme un jeu indépendant. C'est ce que je pense. Ouais.
Je suis en train de me dire, si jamais j'avais pas connu les autres et que je découvrais celui-ci, sans rien connaître sur la série, à mon avis, je pense que je l'aurais trouvé très simpliste, mais il y en a quand même beaucoup des jeux indépendants qui le sont, hein, et qui sont bien moins recherchés que celui-ci, et sachant que celui-ci a été fait par une seule personne. Donc il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Les animations ont été grandement travaillées. Le fait d'avoir un crayon a considérablement changé le gameplay. Il l'a enrichi. Surtout qu'en plus, il ne l'a pas rendu disponible dès le début du jeu, mais à un certain moment, vers le milieu du jeu. Et du coup, en fait, ça a redonné tout un intérêt au jeu. Et ça, j'aime bien. Les genres de jeux qui donnent des surprises, comme ça, qui donnent tout, qui donnent pas tout dès le début, et qui se réservent quelques petites choses, comme ça, vers la fin ou vers le milieu, et qui du coup te change complètement ta manière de jouer. Tu n'es plus qu'une simple personne qui va rebondir à la Mario ou à la Sonic sur des ennemis. Tu vas carrément te prendre pour un chevalier, avoir des espèces de techniques pour te débarrasser des ennemis, et réaliser des combos parce que l'animation déjà d'une, elle est très bien faite. Et en plus, il y a plein de combos, il y a plein de trucs à faire. Comme vous voyez l'hélice que je pouvais faire pour en montant, ou quand je pouvais sauter, je pouvais foutre un coup en l'air, je pouvais charger un coup en l'air et du coup faire tourner sur moi-même à la Link et tout, c'était génial ça, c'est vraiment génial. Tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait, et ça a bien été recherché. Et ça en fait un vrai bon jeu indépendant. Pour moi, The Fancy Pants, au début ce n'était qu'un simple jeu flash, et il a vraiment gagné un cap, c'est devenu un vrai jeu indépendant. Voilà. Je pense qu'il peut être réellement considéré comme ça et il mérite sa place sur les PlayStation Store, les Xbox Live, etc. Et je vous conseille vraiment de le faire et de fouiller un peu plus que moi parce que là, bah, je voulais le terminer en votre compagnie. Et peut-être que bah, moi aussi, de mon côté, je me le referai certainement et je chercherai un peu plus pour voir ce que recèle un peu plus ce gameplay parce que je suis sûr qu'il nous réserve encore quelques petites choses dont je suis passé à côté certainement. Allez, je vous laisse ici, retournez bien à vos occupations et ciao à tous.